Bonjour à tous les amis, c'est MMSLand et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Non-Neighbor Escape. Et aujourd'hui on va finir le jeu, donc on va finir les 4 dernières missions. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Voilà, j'espère que vous allez bien et que vous avez aimé la vidéo de sur Minecraft mercredi. Voilà, moi c'est ça. J'ai vraiment aimé la faire, donc voilà, super cool. Alors, le comportement de la nonne n'est pas comme dans le passé, donc elle a changé de comportement. Essaye de chercher plus de preuves. Alors, ok. Donc, est-ce qu'il faudrait chercher un espèce de journal? Je ne sais pas. On va aller voir ça. Est-ce qu'elle m'attaque si je fais comme ça? Ah non, elle va me voir, là, elle va se retourner bientôt. Ah non, elle part de l'autre côté. Ok, nice, elle m'a pas vu. Elle m'a pas vu, c'est parfait, on peut aller là-bas. Hop. Voilà, petite technique assez optimisée pour gagner du temps. Parfait. Ok, c'est parti, on va péter la vitre. Et là maintenant. Non, 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 non. Tombe pas. Voilà, et là, il faut chercher ce, je sais pas, la preuve le plus vite possible. Parti, hop. On va faire toutes ces pièces. J'aime commencer par la pièce là, comme ça, au cas où elle revient, je suis libre de l'autre côté. Ok, bon, il n'y a rien, hein, juste une pizza. La nonne est là-bas, d'ailleurs. Bon, pour l'instant, elle ne me dérange pas. C'est parfait, hein, je vais pas dire non à ça. Hop. Ah bah voilà, il faut une clé. Et on pourra ouvrir ensuite ce cadenas. Alors la plante, s'il te plaît, arrête de m'attaquer. La porte, parfait. Hop. Bon là, il n'y a rien pour l'instant. Ça commence à être un petit peu bizarre. À moins que ce soit l'étage, ça se peut. Ah, j'arrête pas de foncer dans les murs. Ici, je crois que c'est la cuisine. Oui, et il n'y a toujours rien. Je suis pas allé voir de ce côté. Sur la terrasse. Ah bah si, 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 j'y suis allé juste avant. C'est tout bon. Cet étage, c'est tout bon. Maintenant, il reste plus que cet étage. Bon, j'espère que j'ai quand même pas trouvé la clé dans le dernier étage. Bon, par contre, elle a bugué ou comment ça se passe? Elle est là-bas depuis tout à l'heure. Bon bah. Après, si tu veux, hein, moi ça me dérange pas du tout. Tu peux rester là-bas autant que tu veux. Ah, elle est là, la clé. Parfait. Bon voilà. Premier level déjà terminé. Bon, je suis d'accord, faut encore que je récupère ça et sûrement que je rentre chez moi. Mais voilà, c'était assez rapide quand même. Oula. Ah voilà. C'est un cercueil. Et comment je l'ouvre? Ah non, mais faut peut-être pas l'ouvrir. Ok, c'est bon. Mission complete. Donc voilà, en fait, elle est devenue un peu bizarre après parce qu'il y a quelqu'un qui est mort. Du coup, voilà, elle est un peu énervée. Et elle est devenue bizarre. Donc vous avez trouvé comment ça s'appelle? Une tombe, voilà. Vous voulez trouver. Vous voulez voir ce qu'il y a à l'intérieur? Ah oui, d'accord. Trouvez la crowbar, c'est le pied de biche, et ouvrez-le. Est-ce que j'aurais pas un pied de biche chez moi? Au pire, je fais juste une commande Amazon, et puis voilà, hein, j'ai le pied de biche. Pas s'embêter à aller se chercher un pied de biche chez elle, si on peut se le faire commander en une journée. Ah, elle m'a vu. Ça va être chaud là, par contre. S'échapper d'elle, là, ça va être très chaud. Ok, bon, c'est bon. Oh non! Elle m'a eu! Bon, c'est bon. Elle m'a poursuivi, mais je l'ai semé dans le cimetière. C'est parti, on va trouver ce pied de biche. Alors ça, je prends parce que on en aura besoin pour aller le plus vite possible. Parce que 4 niveaux, ça va faire beaucoup de temps
de vidéo. Donc voilà, j'essaie d'aller assez vite. Ici, on n'a rien, c'est parfait. Enfin, c'est parfait, j'aurais peut-être préféré qu'il y ait quelque chose. Mais bon. Par contre, elle revient. Ah, c'est bon. Nice. Je vais manger ça. Ok. Bon. Déjà fouillé tout ça. Ah, la porte. La porte qui se rebelle. Ici, on n'a rien. Ici, on n'a rien. Et là. Ah, mais les portes, par contre. L'ouverture des portes est vraiment horrible, hein. Je comprends pas. Hop. Bon, bah, il reste 7 étages. Donc là, on n'a rien. Là-bas, on a juste de la pizza qu'on va prendre. Ah, la porte. Ok, d'accord. Donc, il nous faut une clé pour trouver le pied de biche. Très bien. Très bien, très bien. Alors, j'espère que la clé est pas trop loin. Parce que du coup, à moins que je puisse faire un petit bug, non, je ne peux pas. Oh, si, on peut. Attendez. Professionnel en action. Donc, ce que je vais faire, je vais juste casser cette vitre parce que j'ai la flemme de chercher la clé. Hop, on va se mettre là. Désolé pour le vibreur. Hop, parfait. On a juste à sauter là et voilà, on a le pied de biche. C'était ultra simple. Hop, donc là, j'imagine que je dois aller l'ouvrir tout de suite. Ouais. Et c'est parti. Oula, c'est une autre nonne. Ok, alors là, ça devient un petit peu flippant quand même. Ça devient vraiment flippant. Elle a une nonne dans, bah, à côté de son église. On va voir qu'est-ce qu'on va devoir faire maintenant parce que vous avez trouvé un corps de la vraie nonne. Vous avez décidé de. Vous avez décidé de tuer la nonne avec du poison. Trouvez le poison et amenez-le chez vous. Très bien, c'est parti. Donc ok, alors en gros, si je récapitule l'histoire. On trouve que notre nonne est louche. Elle achète plein de choses pour stocker des lingots d'or et des billets. Et après, on se rend compte que cette nonne, c'est pas la vraie nonne, c'est pour ça qu'elle a changé. Mais que la vraie nonne, eh ben en fait, elle est morte, quoi. Les portes, par contre, c'est vraiment horrible à ouvrir, hein. J'arrête pas de le dire, mais. Ah, là, elle va voir s'il y a encore l'autre nonne. Là, elle se dit, oh non, il a ouvert le. Comment ça s'appelle? Il a ouvert la tombe. Il faut que je le rattrape. Il a découvert que je ne suis pas la vraie nonne. Sauf que nous, on va t'empoisonner, mais tu le sais pas encore. Hop, parfait. Ici, on n'a rien. Ici, on n'a rien à part de la pizza. Que je ne vais pas dire non. Allez. Ah, mais c'est pas possible, cette porte. J'ai galéré à la passer, là. Bon, ici, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Rien du tout comme d'habitude. Bon bah ok. Ah, ici on a le cadenas. Bon, si la clé est pas là, hein, clairement je refais comme avant, je passe par les fenêtres. Parce que bon voilà, j'ai un peu la flemme clairement. Voilà, en plus on peut passer par là. Hein. Pourquoi s'embêter à chercher la clé si on peut juste casser les fenêtres? Hop, nickel. Voilà, on a le poison. Maintenant, on revient chez nous. Par contre, je sais pas où est la nonne. J'espère qu'elle sera pas là-bas. Bon, parfait. Bon, du coup, on va avoir fini le jeu, hein. Je pensais pas. Je sais pas depuis combien de temps ça fait que je tourne là, mais c'était rapide. Hop, on s'enferme pour pas qu'elle vienne nous embêter. Et voilà. Bon, c'est parti pour le dernier niveau.
Donc, le dernier niveau de ce jeu, qui était pas mal quand même, hein, il y a une bonne. L'histoire est assez originale. Il est l'heure de faire justice. Ajouter le poison à la nourriture et empoisonner la nonne. Donc c'est parti, elle doit avoir un plat de légumes ou de viande, ou je ne sais pas quoi, qui doit être posé et on va devoir mettre le poison dedans. Elle ne m'a pas vu, c'est parfait. On va vite aller là-bas et essayer de trouver si on n'a pas la nourriture. Ah bah la nourriture, elle est dans le là où il y avait le corps. Donc faut juste trouver la clé. Oula, oula. Ouvre, ouvre. Sauve-toi, cours pour ta vie. Bon, c'est bon, je crois qu'elle m'a pas repéré. C'est une bonne nouvelle parce qu'elle était juste à côté quand même. Ah, c'est bon, on a la clé. On a la clé. Elle monte, mais je m'en fous puisque moi je vais passer par là. Parfait. Hop, on ouvre. Et on met du poison sur sa pizza. Et on la voit s'effondrer et mourir. Bon, ben voilà, on aura rendu justice à la nonne, la gentille nonne, hein, pas la méchante nonne. Est-ce qu'il y a un niveau bonus ou c'est... Non, ok, c'est fini. Ok, très bien. Eh ben, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et cette série sur les jeux, de la nonne. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre un petit commentaire. On se retrouve mercredi, pour une nouvelle vidéo sur la série de Mine Colonies. Donc voilà, c'était super cool. C'était Mameslande. À plus.